Il fait froid ce matin du 8 décembre, quand à 7 heures, Claude Quillec met le pied sur le ponton menant à son bateau, le Jalousie. En réalité, il a gelé cette nuit, et le verglas sur la route de Bekmeï l'atteste. De nombreuses voitures au fossé l'ont incité à la prudence. En l'attendant, David, son matelot, qui habite Concarneau, a mis le moteur en route et préparé le bateau. Le Jalousie est un bateau bois de 10,70 m, propulsé par un diesel Volvo de 245 chevaux. Il possède un matériel de bord électronique extrêmement sophistiqué. Claude Quillec a devant lui un GPS, Global Positioning System, de navigation par satellite, un micro-ordinateur, le radar, les radios VHF, le sondeur. Autant d'appareils qu'il contrôle chaque matin. Il est 8 heures. Plusieurs bateaux ont déjà pris la mer, mais malgré son retard, Claude Quillec rattrape le temps perdu. Il ne lui faut guère de temps pour quitter le port et dépasser les murailles de la ville close, la célèbre forteresse bâtie par Vauban. Les quartiers maritimes de Concarneau et du Guilvinec comptent 40 coquilliers titulaires d'une licence, une vingtaine d'entre eux exploitant principalement le gisement de la baie de Concarneau. Claude met le cap face à la plage du Cabellou, à environ 15 minutes de route, sur des fonds de 10 à 15 mètres. Âgé de 55 ans, Claude Quillec est proche de la retraite. C'est un pêcheur très expérimenté qui, comme de nombreux marins, a appris le métier avec son père dès l'âge de 15 ans. Il a longtemps pratiqué la pêche au casier et au filet, avant de se consacrer à la coquille et à la langoustine. La campagne de la coquille Saint-Jacques fait l'objet d'une réglementation précise, destinée à préserver la ressource. Elle commence début septembre en baie de Concarneau, pour s'achever fin février. Les plans de pêche des jours précédents sont enregistrés sur l'ordinateur de bord. Ils permettent, grâce au logiciel et au GPS, de retrouver à quelques mètres près les meilleurs secteurs d'exploitation. L'instrument circulaire rouge fixé devant Claude est un compas de navigation, une boussole adaptée au navire. À cette époque de la campagne, la pêche est autorisée de 9h à 14h. Les dragues sont mises à l'eau après avoir été positionnées à l'aide d'une gaffe. D'un poids de 250 kg, elles sont encombrantes et d'un maniement difficile. Les accidents ne sont pas rares. Un seul bateau, le Tzigane, a précédé le Jalousie sur zone. Chaque manœuvre est effectuée prudemment, afin d'éviter toute collision. Grâce à sa connaissance du métier, le patron doit savoir apprécier rapidement le comportement des dragues sur le fond. Après une quinzaine de minutes, Claude décide d'effectuer un premier contrôle. Il constate que le secteur est colonisé par de nombreuses étoiles de mer. À 3 ans. 1, 2, 3. 3 ans, 3 ans et demi. Fais la taille. Trois ans aussi. 3 ans et demi même. Un pouce, pas vite ici. Les dragues sont immédiatement filées, c'est-à-dire remises à l'eau. David règle les freins, puis procède à un premier nettoyage et à un tri sommaire de la pêche.
Les coquilles inférieures à la taille légale de 102 mm sont immédiatement remises à l'eau. Cette taille varie suivant les régions. Pour la baie de Saint-Brieuc, par exemple, elle est de 130 mm. La manche à eau, un gros tuyau d'arrosage pompant de l'eau de mer, lave les coquilles du sable qui y adhère encore. Ce premier nettoyage facilite le travail de préparation consistant à la débarrasser des différents agrégats calcaires ou d'animaux marins qui s'y sont fixés. Le calibreur, une jauge en acier inoxydable, permet de détacher aisément les crépidules, des mollusques comestibles, semblant apprécier particulièrement la compagnie des coquilles Saint-Jacques. Chaque trait dure environ 20 minutes, durant lesquelles les dragues, écartées l'une de l'autre de 5 mètres, fouillent les fonds sablonneux. Les prises ne lui convenant pas, Claude décide de gagner une autre zone de pêche. Alors que David entame le nouveau tri, il fait route vers un point plus éloigné de la côte, face à la pointe de Trévignon. Une vingtaine de navires se sont déjà donné rendez-vous à cet endroit où les fonds, plus variés, atteignent de 20 à 30 mètres. Certains bateaux, tels celui-ci, utilisent une technique de dragage un peu différente. Ils traînent en effet leurs appareils par l'arrière et non sur les côtés comme le jalousie. La technique est plus récente et rend la manœuvre moins difficile, surtout par mauvais temps. La présence de nombreux navires sur zone exige une attention et une prudence de tous les instants. Un abordage dans ces conditions aurait des conséquences tragiques. Par convention et pour des raisons de sécurité, la flottille manœuvre toujours sur le côté bâbord, la gauche des navires. Bien que les marins soient tous des professionnels aguerris, chaque patron à la barre inspecte constamment l'horizon. Ces images sont d'ailleurs caractéristiques de deux navires faisant route de collision. Il faut de la maîtrise et de l'expérience pour apprécier les distances et anticiper sur les manœuvres des confrères. Claude fait remettre les dragues à l'eau. Chacune d'elles, pesant 250 kg, leur manipulation est difficile et dangereuse. Les accidents ne sont pas rares. Le treuil principal, dont la capacité est d'environ 150 mètres de câble d'acier de 40 mm, laisse filer une longueur de 50 mètres avant que la drague n'accroche solidement le fond. Le câble, généralement appelé fune, est guidé par une poulie d'acier, l'Orea. Celui-ci doit être capable de supporter une tension extrêmement importante. Le frein, ce volant rouge, est un élément fondamental pour le réglage du travail de dragage.
Malgré son aspect un peu rustique, son serrage doit être contrôlé. C'est de lui, en effet, que va dépendre le jeu du câble lors de la traction des appareils. Trop lâche, il n'assure plus son rôle et les dragues glissent au hasard sur le fond. Trop tendu, et en cas de croche dans la roche, il risque de se rompre, se transformant alors en un redoutable et dangereux fouet d'acier. Largués sur les côtés ou à l'arrière du navire, les dragues viennent se poser sur le fond. Leurs dents ratissent le sable à la recherche des coquilles. La coquille Saint-Jacques, en breton Craigin Sanjakes, de son nom scientifique Pecten Maximus, est un délicieux mollusque bivalve, lamellibranche, appartenant à la famille des Pectinidae. Elle se nourrit exclusivement de débris d'algues et de végétaux, de plancton. Hermaphrodite, la coquille Saint-Jacques vit généralement dans des fonds de 15 à 50 mètres. Celle de la baie de Concarneau, qui possède un appendice rouge en forme de croissant, est dite coraillée. Si la Saint-Jacques s'enfouit dans le sable, sur la partie convexe de sa valve, quand elle se déplace, c'est en chassant puissamment l'eau contenue entre ses valves. On aperçoit ici le corail dans l'entrebâillement des valves. On remarque sur les valves des anneaux de couleur plus sombre, représentant les différents stades de croissance. Il faut environ 3 ans pour qu'une coquille Saint-Jacques atteigne sa taille marchande. Le trait de 20 minutes achevé, les dragues sont une nouvelle fois embarquées. La manœuvre s'effectue au treuil et au palan, le sac métallique étant tenu par un crochet. L'intérêt de la drague est son poids important, permettant aux dents de s'enfoncer dans les sédiments. Les dragues sont maintenues quelques instants le long de la lisse, les flancs du bateau. La vitesse du navire permet d'éliminer le plus gros des déchets sédimentaires ramenés à la surface. On voit très bien sur ces images l'opération d'enroulement du câble sur le guindeau du treuil réalisé par Claude. La remontée est commandée de la passerelle grâce aux manettes situées sur les côtés. Le sac métallique de la drague est accroché au palan par un crochet permettant de la positionner parallèlement à la lisse. Les dents d'acier sont engagées dans un rail métallique, un appui très résistant servant de support au renversement de l'appareil. L'enroulement du câble sur le guindeau tire le sac vers le haut et fait basculer la pêche sur le pont. La drague mesure 1,80 m de large et répond à des normes précises imposées par la législation. Elle possède 18 dents de 12 cm écartées de 9 cm. Malgré leur solidité, certaines se brisent sur les accidents du fond. Le serrage du frein est une nouvelle fois déterminant pour la suite de la pêche.
Il faut une bonne expérience pour sentir le fond et maîtriser la tension du câble. Claude, qui partage son temps entre le pont et la passerelle, étudie son plan de pêche tout en surveillant la navigation. Entre chaque virage de drague, le travail sur le pont se poursuit. Il est 13h50, la journée de pêche est pratiquement achevée. Dans chaque bateau, les marins procèdent aux mêmes opérations destinées à terminer le dernier trait. Avant d'être définitivement embarqués, les dragues traînent une dernière fois en surface pour éliminer le sable, les cailloux, la vase. Les fonds sablonneux abritent également des populations de poissons plats, dont ces deux sols sont de beaux spécimens. Bon, après j'ai fini. La pêche est fermée jusqu'au lendemain. À la radio, Claude échange les impressions de la journée avec ses confrères. La tension des heures de pêche tombe un peu sur le chemin du retour. Si c'est traditionnellement l'occasion de communiquer par radio entre marins, la prudence demeure de rigueur. Il est l'heure du retour. Le port est à environ 3/4 d'heure de route. Cap sur Concarneau. Toute la flottille a mis la barre vers la côte quand on aperçoit les premiers profils à l'horizon. La pêche est soigneusement rangée par calibre dans des bacs et des caisses. Voilà Concarneau. Comme l'exigent les instructions nautiques d'entrée de port, la balise verte est laissée à tribord. La ville close apparaît en plein jour, comme une forteresse majestueuse et impressionnante. Elle est, affirme-t-on, le monument historique le plus visité d'Europe. Le port de pêche est là, avec la criée. Le patron de l'Éridan range son bateau dans les règles de l'art, bientôt suivi de Claude Quillec. La criée, réservée aux seuls professionnels, est un endroit où se manipulent et s'échangent des milliers de tonnes de produits de la mer, poissons, crustacés, coquillages. Claude pèse et conditionne sa pêche du jour, environ 300 kg, par lot d'une quinzaine de kilos. Les caisses sont transportées sur le lieu de vente et mises à la disposition des acheteurs professionnels. Chaque caisse est recouverte d'un film protecteur normalisé. Une pancarte, destinée à enregistrer les achats, porte le nom du bateau. Une étiquette sanitaire de couleur bleue garantit la qualité du produit. La journée est finie. Il fait heureusement un peu moins froid cet après-midi.
Jalousie libère le quai de Crié et va rejoindre son mouillage au fond du port. Mais alors, et nos Saint-Jacques ? Eh bien, ils ont rendez-vous de l'autre côté de la rade, au restaurant La Coquille. Au menu d'aujourd'hui, une coquille Saint-Jacques au poireau et au cidre. Donc, suivez le chef. Il va falloir une échalote. Bon, la valeur de 2 poireaux par personne. Et suivant ce qu'on fait, si on fait un plat d'entrée, on va se limiter à 3 coquilles Saint-Jacques. Si on fait un plat principal, on va en mettre une de plus, quoi. Ouais, bah simplement le poireau, bien le nettoyer, bien le fendre pour enlever la terre, et le cuire à l'eau traditionnellement. Cuisson 1/4 heure, 20 minutes en piquant la pointe du couteau dans le produit, on sait tout de suite s'il est cuit ou s'il n'est pas cuit. Une petite chose importante sur les Saint-Jacques, donc après les avoir ébarbés, c'est enlever le petit bout de cartilage qu'il y a ici. Parce qu'à la cuisson, ça c'est un bout de cartilage qui devient caoutchouteux, qui n'est pas bon du tout à la consommation. On va le faire pour 2 personnes, quoi. On va faire 4 Saint-Jacques chacun. Après cuisson des poireaux, on va le couper en 2 ou en 3. Donc on hache assez fin l'échalote justement pour pas que ça ressorte au niveau du goût dans la sauce, faut pas qu'on sente trop le craquant de l'échalote dans la sauce. Donc dans une poêle Tefal, juste un fond d'huile, bien chauffer la poêle. Il faut bien saisir le produit au départ et ralentir un peu la cuisson après. Donc que l'huile n'a pas de beurre. Non, que le beurre ça va. Le beurre risque de brûler et d'apporter un goût amer à la sauce. 3 minutes de chaque côté. C'est un peu en fonction de la taille de la noix de Saint-Jacques aussi. Bon, on n'a pas oublié de saler. Un petit coup de moulin. Bon, une fois qu'on les a retournés, un petit coup de sel. Et un petit coup de moulin. Et en fin de cuisson, on va rajouter les bâtonnets de poireaux dans la poêle pour les réchauffer. Donc en fin de cuisson, on va dresser les assiettes. Je vous disais, c'est ce qu'on appelle les sucs de viande ou de Saint-Jacques, c'est ça. C'est ça qui nous donne le petit goût en plus, le goût du produit dans la sauce. Donc en fin de cuisson, on met les échalotes. Qu'on fait suer dizaine de secondes sans coloration. Donc nous on a du vinaigre de cidre donc on en profite. Mais on peut déglacer avec un tout petit peu de vinaigre blanc. On va bien récupérer les sucs de coquille Saint-Jacques pour donner du goût. Donc en fin de réduction du vinaigre, on va rajouter le cidre. Voilà, qu'on va laisser réduire une petite trentaine de secondes. Donc une fois que la préparation a réduit de moitié à peu près, on va la monter au beurre. Alors en fin de cuisson, on réassaisonne la sauce. Voilà, et on filtre la sauce pour enlever les petits morceaux d'échalotes. Voilà, et on nappe légèrement les coquilles Saint-Jacques. Alors, poêler une noix de Saint-Jacques de la baie,
au blanc de poireau et au cidre fermier.